Donc, les vidéos ne sont pas poussées par YouTube. Donc, si vous voulez bénéficier aux autres hein, et me rendre service aussi, à moi aussi, n'hésitez pas, vous allez mettre un petit like. Et si la vidéo vous plaît, mettez un commentaire. J'ai plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos qui ne likent pas ou qui ne mettent pas de commentaires. Donc, allez-y, ça permettra de booster un peu les vidéos parce que YouTube ne les booste pas car la chaîne n'étant pas monétisée, YouTube ne gagne pas d'argent. Grégory, bienvenue parmi nous. Merci à toi de m'accueillir. Ah, c'est un plaisir de te retrouver. Bon, alors Grégory, on a une histoire commune. Hein. Nous, on échange sur LinkedIn depuis très longtemps. C'est en annexe parce que ça se compte. Et en fait, on ne s'était jamais rencontrés. Donc, on échange par texte, on écrit, hein, on fait des conneries, hein, mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc, c'est aussi une première pour nous et moi, je suis très content. C'est l'occasion, exactement. Mais ouais, complètement. C'est un peu dommage qu'on ne soit pas dans un de mes mondes virtuels, mais pour le prochain. Exactement. Alors, voilà. Alors, ça, c'est de ma faute. Hein. Pour tous les invités, en fait, j'utilise un logiciel pour pouvoir streamer sur Twitch. Hein, vous en avez entendu, qui s'appelle Restream. Mais tout le flux vidéo que je capture, je le capture dans un autre logiciel qui s'appelle OBS. Et en fait, j'utilise Meet parce que Meet est très compatible avec OBS. Et je suis un peu con, j'ai pas du tout pensé que Work Adventure, tous tes environnements virtuels, ils sont complètement compatibles avec OBS. Et j'y ai pas pensé. Et je t'ai envoyé une invitation Meet et j'aurais dû y penser. La prochaine fois. Prochaine fois, exactement. La prochaine fois. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on procède de manière assez simple. On va commencer par. Je vais te demander déjà comment tu vas. Hein, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, en pleine forme. Vraiment, vraiment en pleine forme. C'est un plaisir d'être là, d'échanger, puis d'essayer de partager un peu de ce qu'on fait avec tes auditeurs, ceux qui suivent, ceux qui sont intéressés par tout ce qu'on est en train de faire sur le digital. Parce que les choses changent, vont changer très vite, et qu'on soit pour ou contre le Web3, de toute manière, le Web3 va arriver. Donc, autant s'y mettre le plus tôt possible. C'est exactement ça, en fait. On est sur une dynamique. Mais en fait, on est sur une dynamique qui est demandée par l'audience. Hein. Tout le monde a besoin d'un truc plus expérientiel que les réseaux sociaux qui sont hyper plats, en fait. Hein. Mais donc, exactement. Alors, explique-nous qui tu es, Grégory. Explique-nous ce que tu as fait par le passé, comment tu as créé Work Adventure. Voilà, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on se met à travailler sur les mondes virtuels? Parce qu'on n'est pas sur les trucs nouveaux. Hein, donc, comment est-ce qu'on se met à travailler sur les mondes virtuels? Ouais, alors, Work Adventure, pour l'anecdote, c'est né d'un besoin. C'est pas né, on s'est dit, ouais, on va faire des mondes virtuels pour faire des mondes virtuels. Plein confinement, début 2020, chacun chez nous, on travaillait, je pense, avec tous les mêmes outils que tout le monde devait utiliser. Que ce soit Slack, que ce soit Zoom, que ce soit Google Meet. Sentiment d'abandon, sentiment d'être tout seul derrière son ordinateur, plus voir les gens. Et on s'est dit, dans la boîte où j'étais avant, qui est une agence de développement web, The Coding Machine, on est des développeurs, il faut qu'on trouve quelque chose d'un peu malin où on puisse se retrouver. Et on s'est dit, quoi de mieux que de faire des... Alors, l'idée c'est né lors d'un hackathon, mais quoi de mieux que de faire un petit monde virtuel, un petit avatar, où immédiatement, quand on va se voir, quand on va s'approcher, ça va déclencher le flux audio, caméra. Et puis après, en fait, c'est né de là, création de monde virtuel pour se retrouver, pour échanger de manière hyper spontanée, voir les interactions, enfin, et surtout aussi ce qu'on n'a pas, ce qu'on a perdu, c'est lorsque tu es quelque part et que tu es tout seul chez toi, tu as envie de savoir qui est autour de toi. Quand tu as une messagerie qui est complètement plate, lui, il est en ligne, souvent, tu en as plein qui sont absents toute la journée parce qu'avec les statuts automobiles, enfin, avec les statuts qui mettent pas à jour. Et nous, on a des besoins de cette présence, de dire, OK, bah tiens, j'ai 10 collaborateurs qui sont autour de moi et si je veux aller leur faire un coucou, si je veux leur raconter une connerie, eh ben, je vais pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment de la présence virtuelle. Alors, attends, je vais préciser un point parce que c'est très important, parce que je ne sais pas si tout le monde l'a saisi, ça. Toi, la gamberge du début, ce n'était pas de dire, on va mettre des avatars en relation. La gamberge du début, c'était de dire, on va mettre des gens en relation, les uns avec les autres, l'avatar étant le moyen, mais ce qui compte, ce n'est pas l'avatar, c'est les gens qui vont se voir, qui vont parler ensemble, qui vont échanger et qui vont se rencontrer en ne se connaissant pas. C'est exactement ça. Nous, on fait des mondes virtuels pour que les vrais humains aient une expérience. Et l'avatar est le moyen. C'est très différent d'Horizon Worlds. Ah bah c'est l'avatar qui vit. Nous, on ne veut pas que ce soit notre avatar qui vit. On veut que ce soit toi qui rencontre des gens, qui interagissent. Lorsque tu fais un événement et que tu fais un peu de networking, après, tu vas tout de suite parler avec les gens. Tu vois s'il y a du fit, si tu as envie de faire des affaires après avec eux. Ça. Mais la rencontre est humaine avant tout. Donc, vous êtes rentré de cette logique-là. Vous avez dit, on va utiliser le web pour faciliter les relations inter-individus, en fait. Exactement. On va faire des mondes virtuels pour se retrouver, que ce soit complètement dynamique, avoir une présence, parce que c'est hyper important d'avoir aujourd'hui, même si tu es connecté sur ta page Facebook, tu ne sais pas qui est là autour de toi. Donc, l'avantage d'un monde virtuel avec des petits personnages, bah, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi et que tu as la possibilité à n'importe quel instant d'aller lui parler, d'aller lui dire bonjour, comment vas-tu.
S'il n'a pas envie. Ou alors il n'a pas envie, ouais, bien sûr. Et donc, vous avez commencé à développer ça. Tu as commencé à coder le truc dans ton coin ou comment vous avez fait? On a commencé à coder dans notre coin. Parce que tu es ingénieur à l'origine, hein? Non, moi je suis commercial et je sors de l'EM, ancien étudiant de l'école. Alors ça, c'est vrai que je savais que tu étais EM, mais moi je croyais que tu avais une formation. Donc en fait, tu t'es formé tout seul dès le début. Pas du tout. Alors je code pas. J'ai une super équipe qui code et puis avant d'atteindre leur niveau, ça va me prendre plusieurs vies. Donc, C'est ouf, hein. Je les laisse coder. Moi, je leur amène souvent des idées. Puis après, ils me disent non, Greg, tu nous emmerdes avec tes idées. Donc ils râlent tout le temps et puis souvent ils ont. Donc tu conceptualises le dispositif. Exactement. Et tu détermines les relations interindividuelles et ce genre de choses. Et eux, ils produisent du code. En plus, le code, moi, j'ai appris à coder quand j'étais gosse. Ça évolue tellement vite. Tu codes plus pendant 6 mois, t'es déjà à la rue. Non, mais soyons clairs, hein, c'est vrai. Hein, c'est formation continue à mort tout le temps. Et donc, tu conceptualises le dispositif. Ils le codent. Vous avez un rendu graphique et un rendu opérationnel. Vous le testez pour voir si en termes de relations interindividuelles, ça correspond à ce que vous avez conceptualisé et vous recommencez ou vous faites évoluer. Ouais, ça c'est au tout début. C'est vraiment 2020. Comment est-ce qu'on a conçu le truc? C'est-à-dire que la plateforme au début, même quand tu mettais 30 personnes simultanément, ça pétait dans tous les sens. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la difficulté qu'ont nos copains de Sandbox à faire venir plein de gens parce que ça consomme énormément de ressources. Donc en fait, on a bossé dans notre coin pendant quasiment un an pour optimiser tout ce qui est consommation CPU RAM. Bah oui, parce que ça, les gens n'ont pas conscience, mais par exemple, le frein à la croissance d'Horizon World, par exemple, c'est la charge serveur. Les serveurs pètent tout le temps, ils n'arrivent pas à gérer ça. Et aujourd'hui, les gens qui sont intéressés par les métaverses en France, ça, c'est entre 300 000 et 400 000 personnes. On n'arrive pas à faire du massif, on n'arrive pas à faire du volume, parce que d'une certaine manière, dès que tu décentralises, bah, ça devient lent, en fait. Exactement. Et quand tu centralises, eh ben, il te faut les serveurs derrière pour faire tourner la boutique. Et là, c'est vite compliqué, surtout qu'on ne peut pas prévoir le comportement des gens. Tu peux très bien avoir 2000 personnes en permanence et tout d'un coup, tu en as 15 000 et les serveurs, ils ne suivent pas en fait. Exactement. Alors, on a la chance d'être en partenariat avec Amazon qui nous ont identifié lors d'un salon. On aime bien ce que vous faites, on va vous filer un coup de main. Amazon Web Service ? Amazon Web Service, absolument. Donc, super. Tu me suives. Après, dès le début, nous, on a pris le virage de dire on vient d'open source. Donc, tout ce qu'on a fait, on a donné le code gratuitement. Okay. Tout est consultable sur GitHub. On a à peu près 3000 stars de suivi. On fait partie des projets de certaines technologies les plus innovantes. Ah, c'est génial. Et donc, en fait, je vois qu'il y a des questions là sur le chat. On va traiter les questions après. On discute ensemble et ensuite on traite toutes les questions. Ah, mais oui, ça tombe là, effectivement. On est open source, on a tout donné. Et il y a plein de gens qui se le déploient aussi, qui font des instances chez eux. Par exemple, la Société Générale, ils ont une équipe open source qui font des mondes avec nous. On a plein de clients en Allemagne aussi. Et en fait, comment on s'est lancé septembre 2020, on a la Société Générale qui nous dit « Ouais, on a entendu parler de votre truc ». Via des relations avec mon associé David. Ça nous plaît, on aimerait faire un forum de recrutement, un petit événement de recrutement qui change de Zoom, de tous ces trucs-là. Essayons avec vous, avec vos maps. Donc là, on a eu 200 personnes, on leur a conçu une petite map. 200 étudiants d'écoles d'ingénieurs qui débarquent et de grandes universités. Donc c'est plutôt des profils de gens qui ne sont pas du tout extravertis, hein. Sans forcément faire de stéréotypes. Non, mais c'est vrai. Et puis en plus, ils sont stressés par les entretiens. Voilà, et pas le moment où chacun exprime le mieux son tempérament. Exactement. Donc, tu as 200 petits bonhommes qui ont débarqué dans un monde virtuel. Au départ, tu vois, les gens ne voulaient pas trop s'accrocher, pas trop se parler. Et puis, d'un coup, c'est parti en foire. En plus, ça faisait 8 mois que tout le monde était chez nous, on ne pouvait plus rien faire. Et ça a été un carton. Ils ont adoré, ils sont restés jusqu'à 2h du mat dans le monde virtuel. Et ce soir-là, c'était la banque d'investissement. Ils avaient je ne sais plus combien d'offres de stage. Et ils ont recruté 50% de leurs effectifs en une soirée. Donc on s'est dit ouais, on tient quelque chose, c'est hyper intéressant. À l'époque, on n'appelait pas ça métaverse, on appelait ça vraiment monde virtuel. Ouais, c'est le terme générique quand même. Ouais, c'est le terme générique. Donc après, notre ami Mark Zuckerberg a changé le game, mais nous on est vraiment dans une logique, on dit on fait des mondes virtuels qui sont simples, qui fonctionnent, qui tournent, qui ne consomment pas beaucoup de ressources pour que tu puisses le faire tourner en permanence sur ton ordi ou sur ton téléphone, et surtout qui permettent de recréer de l'interaction et du lien entre les gens. Ah, c'est super. Ok, donc vous avez créé ça. Et donc ton entreprise, elle est en forte croissance. La question qui se pose, c'est, donc vous êtes essentiellement, vous faites une sorte de B2B en fait, c'est-à-dire que vous aidez les entreprises
à mettre en œuvre une action qu'elle voulait entreprendre, un forum de recrutement, une présentation de produits, etc. Mais comment ça se passe? Comment les gens vivent dans le métavers, dans votre métavers, dans votre monde virtuel? Comment les salariés qui des entreprises qui travaillent avec vous, comment ils vivent? Comment c'est quoi une journée pour eux? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça nécessite de la conduite du changement. C'est pas, tu arrives au début 2021, quand on a eu une grosse explosion, c'était n'importe quoi. Les boîtes nous contactaient, on en veut un. Et en fait, on leur fait des mondes, après ils le déploient. Et ils balancent ça dans un forum, dans un chat ou dans un Slack. Ils disent, bon, bah, voilà, maintenant, on va utiliser telle plateforme pour travailler. En fait, ça a marché. Et puis après, ça tombe complètement. Pourquoi? Parce qu'un monde virtuel, il faut l'animer. Ça nécessite un changement de la culture de l'entreprise aussi. Comment est-ce que tu vas onboarder tes équipes? Comment est-ce que tu vas leur proposer du contenu? Comment est-ce que tu vas les faire revenir? Comment est-ce que les événements aussi, tu vas l'animer? En fait, c'est tout un nouveau paradigme qu'il faut créer, qu'il faut animer. Et aujourd'hui, il y a plein de boîtes. En 2021, les boîtes n'étaient pas prêtes. C'est pour ça que maintenant, on entend parler de Future of Work. Ça fait 2 ans, nous, qu'on martèle le mot Future of Work. Mais c'est vraiment maintenant qu'il commence à prendre tout son sens. Parce que rester derrière son ordinateur sur une messagerie et sur un Zoom, c'est pas une manière de travailler, surtout quand tu es à distance. Donc, faut repenser tous tes process en ajoutant le facteur distance. Faut considérer aussi que tu vas recruter des gens peut-être qui vont pas venir rencontrer leurs équipes pendant 6 mois. Donc, comment est-ce que tu leur transmets les valeurs de ta boîte, la culture de ta boîte, et tout ça en passant par un monde virtuel et sans que ce soit un envoi de cinquantaines de vidéos et de diapositives qu'ils ne vont pas regarder, tu vois. Donc, en sachant qu'il y a la structure organisationnelle elle-même, il y a la technostructure, tous les SI qui tournent derrière, et il y a les relations hiérarchiques inter-individuelles avec la culture d'entreprise, qui se fait, ce qui ne se fait pas, on se dit bonjour, on ne se dit pas bonjour, est-ce qu'on se parle en direct, est-ce qu'on ne se parle pas en direct, et ça, ton monde virtuel, il s'affranchit un petit peu de ça. Et donc, tout le monde ne ressent pas nécessairement du confort s'il n'a pas été formé à ce genre de choses. Exactement. On a eu il y a eu un blocage. Ouais, c'est pas surprenant. On ne va pas se mentir. Hein, qui venait de découvrir et qu'on subit Teams. Parce qu'on s'est dit, maintenant, les amis, vous arrêtez de passer vos journées en rendez-vous, en physique, en réunion. Vous allez vous connecter à une messagerie. Donc, on dit, oh là là, ça en est forcé d'utiliser Teams. Et maintenant, on leur met une couche de monde virtuel avec des petits avatars. Tous les jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans, ils ont sauté dessus. Et en fait, la génération plus ancienne dit non, mais moi, j'en veux pas parce que je ne comprends pas. En fait, ils sont perdus et ils sont complètement perdus. Donc, est-ce qu'on arrivera à les faire changer? Je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui le prennent à bras le corps et qui sont hyper moteurs. Et il y en a d'autres qui sont complètement réfractaires. Mais il y en a plein aussi. On a rencontré dans des grosses boîtes du CAC 40. Des grands directeurs, ils lisent pas leur mail, on leur imprime. Donc, tu vois, ces gens-là, tu pourras rien faire. Ouais, ça. De toute façon, il y a une question de comportement. Et puis, il faut former les gens. C'est que tu peux pas balancer une solution sans former les gens. Parce que quand tu balances une solution, les gens la regardent, ils en utilisent un quart. C'est comme Excel, en fait. Hein. Les gens utilisent 0,25% de la puissance d'Excel parce qu'ils croient que c'est juste un tableur dans lequel tu rentres tes chiffres. Et le résultat, c'est que comme ils l'utilisent pas, ils l'utilisent peu, en fait. Parce qu'ils ne le comprennent pas. Et tu as la même chose avec les mondes virtuels. Tu as la même chose avec Second Life au début. Il y a plein de gens qui ont organisé des conférences sur Second Life. Ils organisaient des cours, ce genre de choses. Ils le faisaient une fois. Les gens venaient. Et puis après, ils faisaient autre chose. Parce que les gens ne revenaient pas. La question, c'est comment est-ce que tu fais revenir les gens? Mais oui. Donc, tu as la stickiness de ton produit. Et comment tu proposes du contenu de manière sympa? Le tout, c'est de l'accessibilité à du contenu. Parce qu'une fois que tu as rencontré la personne, une fois que tu as rencontré des gens, une fois que tu es dans une conférence, comment est-ce que tu vas continuer à faire vivre une expérience, donc la continuité de l'expérience, et après, comment est-ce que tu reviens? Allez, montre-nous. Allez. Montre-nous, alors, comme ça, tout le monde va voir, parce qu'en fait, là, on parle d'un monde, mais moi, j'ai déjà montré comment se passait Second Life, et j'ai montré The Sandbox, avec lesquels vous travaillez d'ailleurs. Hein. Vous avez gagné un concours il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, on ne le dit pas, mais Work Adventure, ils ont gagné un gros concours il n'y a pas longtemps. Absolument. Et donc, ils travaillent avec ce Sandbox. Ouais. Alors, vas-y, montre-nous, explique-nous comment ça marche. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais je pense que vous devez le voir. Je vais te dire tout de suite sur mon écran de contrôle, mais normalement, c'est bon. Alors, on a un délai de 21 secondes. Ouais, c'est insupportable. Bon. Ouais, écoute, vas-y, go, on y va. Alors, nous, là, on fait des mondes en 2D. Alors, que ce soit pixelisé ou du flat design ou de la fausse 3D, je vous montrerai après, on est capable de le faire. Mais on est vraiment sur un support 2D.
Pourquoi? Parce qu'en fait, d'un seul, je suis capable de voir que là, par exemple, là, c'est mon avatar, c'est mon petit bonhomme, je me déplace. Donc là, vous allez revoir ma caméra encore une fois. Je suis capable de voir qui est au bureau. Donc là, je vois, il y a Julie, il y a un autre Greg, il y a David, mon associé. Et donc, en fait, je sais, là, il y a Valdo. Je vois tout de suite d'un Donc coup. là, c'est une représentation de ton bureau. Là, c'est un, non, c'est un bureau imaginaire. OK. C'est un bureau imaginaire, mais tu vois, tous les matins, je prends ma place. Alors, ma place, c'est ici, c'est à côté des planches de surf, bien évidemment. En fait, dès que j'ai un truc à demander à quelqu'un, bah, c'est facile, je vais me déplacer, je m'approche de lui. Ça me fait un petit cercle comme ça. Et donc là, voilà. Bon, là, je vais pas les Salut regarder. David. Mais en fait, ça démarre instantanément. Je suis connecté à lui et quand je suis dans une bulle avec lui, je peux lui partager mon écran, on a un petit chat, on peut faire plein de trucs. Donc, on a plein de fonctionnalités pour travailler. Si je veux aller plus loin et que je veux faire une réunion, bam, je vais dans une salle de réunion. Et là, je vais démarrer un outil qui est open source, qui s'appelle Jitsi, qui est exactement comme Google Meet, où on peut être jusqu'à 150 sans problème. Ça, en plus, si je veux faire une conférence, La qualité est bonne, hein. ouais, si je veux faire une conférence et faire venir 5 000 personnes, je vais pouvoir streamer directement le Jitsi. Donc, tu vois ce que je Jitsi, veux c'est dire? pas le seul qui est entièrement crypté sur tout le. Si, alors Jitsi est assez crypté, c'est utilisé par le navigateur Brave. Ouais, c'est ce qui me semblait, parce que j'utilise Brave moi aussi, on en avait déjà parlé, ouais. Voilà. En plus, nous, alors du coup, on n'utilise pas la version publique open source, on a déployé nos propres serveurs pour rajouter justement une couche de sécurité quand tu passes au milieu. Et l'avantage de Jitsi, c'est que tu vois, là, j'ai un petit bouton et je peux démarrer une diffusion en direct et là, je peux balancer le flux dans OBS et pareil, on fait un LinkedIn Live. Ouais, comme on fait là. Et après, nous, donc, comme Work Adventure, c'est pour travailler, on a implémenté directement dans le jeu plein d'outils. Donc là, c'est un tableau blanc, un truc collaboratif, mais si tu veux faire du Mural, du Miro, du Klaxoon, du Google Workspace. Donc en fait, j'ai mon avatar, j'ai mon meeting avec les personnes que je vois, et en plus, là, on travaille tous les deux dans le même fichier, tu vois, sans Donc aucun en fait, problème. les API sont déjà installées. Si Les mon outils sont déjà entreprise implémentés, a ouais. pris Klaxoon, c'est compatible avec Work Adventure parce que l'API est déjà installée, est déjà traitée. Exactement. En fait, on intègre sous forme d'iframe directement dans le jeu. Et on propose des expériences. Là, tu vois, il y a Julie et Greg qui font une réunion. Donc, c'est un petit cercle rouge. C'est-à-dire que je ne peux pas entrer dans leur bulle. Donc, ils font un truc confidentiel. Je vais juste pouvoir passer au travers. Mais je vois qu'ils sont tous les deux en train de discuter. Et physiquement, je ne sais pas ni où Greg est ou ni Julie se trouve. Julie pourrait très bien être chez elle. Greg, je ne sais pas, à l'autre bout de la France. Mais au moins, je vois que tous les deux, ils sont là. Ok. Alors, Et tu m'avais après. dit qu'il y avait vous étiez. En fait, là, c'était un choix de design que vous aviez fait parce que ça Ouais, correspondait à votre absolument. Ça, culture. c'est un choix de design parce qu'on est un peu nostalgique des années 80, on va pas se mentir. Non, mais c'est vrai que ça fait beaucoup rétro gaming, en fait. Ce que je disais, Exactement. moi, ça m'a rappelé. Alors, pour ceux d'entre nous qui nous suivent et qui le savent, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de MAME. 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 MAME, c'est un logiciel qui permet d'émuler des très vieux jeux. Et c'était le design. Et mais là, on est sur un design qui est très différent. Explique-nous. Ça, c'est une université américaine. Ils ont créé une ville. Donc, tout le design est créé sur mesure. Donc, c'est une petite ville complètement flat. Enfin, du design qui est de type flat, qui est dans les tons roses. Et en fait, en fonction des salles de cours, tu vas basculer. Donc, là, c'est une capture d'écran, mais tu es dans la forêt. Sinon, tu peux partir près de la mer. Ils ont aussi un truc près de la montagne. Donc, en fait, leur ville, tu as une soixantaine de cartes qui sont toutes interconnectées. Et en fonction du cours que tu vas suivre, tu vas te déplacer, tu vas rencontrer des gens, tu vas aller dans un amphithéâtre qui est dans la zone montagne, etc. Et à chaque fois, tu as des expériences différentes. C'est super. C'est super. Ok, très bien. Donc, j'ai deux questions importantes. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type d'un gars qui dirige une boîte dans le métaverse? Je vais continuer à utiliser le terme. J'utilise depuis 2003. Là, je continue. Je sais. Ouais, mais bon, voilà, je vais continuer à utiliser. Donc, tu pourrais nous raconter la journée type d'un mec qui dirige une boîte dans le métaverse? Comment ça se passe? Et le deuxième truc. Est-ce que tu pourrais nous parler du type de demande de tes clients? Parce qu'en fait, ce qui caractérise les entreprises qui veulent aller vers ce genre de service, c'est qu'elles n'y connaissent rien. Elles ont une idée de ce qu'elles voudraient faire, mais elles ne le connaissent pas, et sur le plan technique, et sur le plan comportemental, et en termes de comportement de leur audience. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, toi, tu dois leur expliquer ce genre de choses. Et ça ne doit pas être facile parce qu'il y a des écarts de culture. Quand quelqu'un n'a pas du tout de culture technique, pour lui, ça doit être difficile. Donc voilà, c'est mes deux questions. Je voudrais que tu commences par ta journée et ensuite le Ouais, rapport au client. la journée, moi je suis en contact avec beaucoup de clients, plutôt des grands groupes, et tu as raison sur ce point-là, c'est ils y connaissent que dalle. Et il y en a Et c'est même normal.
Ouais, et c'est normal. Ça. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ceux qui nous regardent, qui n'y connaissent rien, et les grandes entreprises, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on a un gros travail de pédagogie. Ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est important de le faire parce qu'on veut fixer nous aussi des normes. On est très orienté Web3, donc je le disais, on est complètement open source. On n'enregistre aucune donnée, on est RGPD. Et on travaille aussi dans une logique de décentralisation. Attends, on va expliquer ça. Donc ouais, d'abord, vous êtes décentralisé. Et donc explique-nous. On est en train d'être décentralisé. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on ne veut plus avoir que je parle, tu vois, nos copains de Sandbox, tout tourne sur leur serveur. Là, aujourd'hui, nous aussi, on a une partie du jeu sur la version SaaS, ça tourne sur nos serveurs, sauf et ceux qui utilisent la version open source, c'est dans leur serveur. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est monter un réseau d'ordinateurs, de partenaires, de clients, etc. Et en fait, les instances vont tourner sur ce réseau-là. Donc, et ça voudra dire qu'on aura une blockchain derrière. Exactement. Et que les données seront stockées de manière publique, cryptées mais publiques, sur la blockchain. Okay. Sur un réseau d'ordinateurs, exactement, et qui eux seront rémunérés. Oui, sur des nœuds en fait, c'est pas tout à fait. Ah. Ouais, c'est sur des nœuds, oui, tout à fait. Mais c'est le but. Ils seront rémunérés, comme avec le principe du Bitcoin ou de l'Ethereum, c'est plus je contribue au réseau, plus je touche, j'ai la probabilité de toucher un fragment de rémunération. Exactement, parce que en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est quand je me suis déplacé là dans la carte, mon petit avatar qui me ressemble. En fait, c'est un NFT. Pour me connecter à notre monde virtuel, enfin, nous, on a mis en place, on passe directement par le wallet. Donc, en fait, je n'ai même plus besoin de stocker d'adresse email, etc. Tout est on-chain. C'est le MetaMask, votre wallet, c'est lequel? Ouais, on utilise MetaMask. MetaMask, ok. Voilà. Ah, explique un petit peu ça, parce que là on a utilisé des termes, là, on a perdu du monde. Explique-nous. Alors, MetaMask, c'est un portefeuille pour stocker des informations relatives aux différentes monnaies numériques que tu peux avoir, donc du Bitcoin, de l'Ether, etc. Mais également pour stocker des NFT, donc les actifs des un NFT, ça peut être c'est un actif numérique, ça peut être un avatar, ça peut être un bureau, c'est un objet numérique. Exactement. Donc nous, on a conçu des petits bonhommes, des avatars qui sont des NFT. Ça veut dire que si tu veux m'acheter mon petit avatar, bah, je peux te le vendre. Donc et tu seras l'unique propriétaire de cet avatar. Donc, donc on utilise. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, la sécurité d'accès à un monde, ça ne va pas dépendre de nous dans le futur, mais ça va dépendre des différentes blockchains. Et c'est toi, en fonction de la blockchain sur laquelle tu auras installé la solution. Aujourd'hui, on est compatible avec 8 blockchains. Donc, si tu fais une collection sur Avalanche ou sur Binance, bah, tu peux d'ores et déjà te dire voilà, c'est ma clé d'entrée dans mon monde virtuel, ce qu'on appelle un monde token gated. Donc, voilà. Donc, en fait, tu as tout ce travail aussi d'explication à fournir quand on travaille avec un grand compte. Donc, mon boulot, il y a beaucoup d'explications. Il faut aussi convaincre, malheureusement, parce qu'ils nous appellent, ils sont convaincus. Puis finalement, ils disent, voilà, il y a un gap énorme. Donc, il faut convaincre derrière que de toute façon… Ouais, quand tu leur expliques, ils se disent, oh là, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Souvent, c'est ça. C'est ça, ouais. Et il y a encore un an, ils disent, ouais, non, mais on laisse tomber et tout, c'est pas pour nous, ça va mourir dans l'œuf. Sauf que tu vois, avec tous les jeunes qui se barrent des boîtes et qui veulent d'autres expériences, d'autres nouvelles manières de travailler, que tu vois qu'on travaille aussi sur plein de sujets, l'évolution du e-commerce, qu'on appelle le virtual commerce. Il y a plein de sujets qui sont en train d'arriver aussi, donc ça passe par des mondes virtuels. Donc malheureusement, la vague, elle est en train d'arriver et c'est que le début. Là, on est en train d'apercevoir au loin quelque chose qui va arriver et qui va être massif. Donc tout ce travail de pédagogie, ça nous prend beaucoup de temps. Il y a une de mes associées aussi, Julie. Elle fait beaucoup de travail sur la transformation justement du mode de travail hybride. Donc, elle est vraiment focus sur tout ce qui est future of work. Comment tu onboardes tes équipes, comment tu les motives, comment tu fais la culture, quel type de jeu marche bien, etc. Donc, ça, elle passe beaucoup de temps là-dessus. En fait, la pédagogie. Après, on va concevoir des mondes aussi. Parce que tu vois, là, on fait un sujet avec, je sais pas, avec Bouygues, avec VP, avec même KPMG, on bosse en ce moment. Voilà, on veut un monde virtuel, ok, mais comment est-ce que vous l'imaginez? Quels usages vous voulez avoir? Parce que faire un monde sans usage, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment ce travail de fond avec les grands comptes, ouais, même avec des startups. Hein. Après, les startups, l'avantage, c'est que ça va plus vite, ils sont beaucoup plus jeunes, ils comprennent tout de suite, ils se l'approprient plus rapidement, mais dans un grand compte, après, tu as toute la logique de change. Donc, ça c'est une grosse partie de mes journées. Ouais. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que ce que beaucoup perçoivent, c'est comme si j'avais une map avec des persos qui se déplacent. Mais en fait, ça, c'est juste la représentation de ton dispositif. L'essence même du dispositif est dans l'interaction entre les gens qui sont représentés par leurs avatars.
Et il faut les gérer, ça, dans une entreprise. Il faut les manager, ces personnes-là. Exactement. Un des plus beaux use cases qu'on a, c'est des équipes DevOps de chez Veolia, en fait, qui sont pas forcément sur une logique de télétravail, mais eux, ils sont dans une logique multisite. En fait, ils sont répartis sur 6 sites différents en France. Ouais. Et depuis qu'ils ont mis en place nos outils, qu'ils ont créé leur propre univers WorkAdventure, ils nous disent bah, on a vraiment l'impression de faire partie d'une équipe parce qu'en fait, on se voit tous tout le temps naturellement et en fait, on s'en fout de quel site tu te trouves parce que physiquement, virtuellement, je te vois et je peux interagir tout de suite avec toi. Et c'est ça en fait le truc. Alors, j'ai une dernière question et ensuite, on va passer aux questions du public. Tu as dit qu'il y avait une université. C'est fou parce que moi, ça, ton dispositif, je le vois super adapté pour les écoles. Mais je ne connais aucune école, aucune grande école qui utilise ce genre de dispositif. Il y a eu des essais dans Second Life. Mais bon, les gens, ils ne connaissaient pas Second Life avant de se lancer. Hein. Et puis, ils ont découvert Second Life. Et puis, ils sont partis très vite. Non, mais voilà, on le connaît. Hein, mais je vous encourage à aller faire un tour et à en repartir très vite. Ça, c'est... Ouais, c'est un peu porté sur le sexe. Un tout petit peu, ouais, presque pas. C'est ouf. Non, mais c'est devenu un truc de fin, de dingue. Hein. Second Life. Et donc, je vois très peu d'organisations qui utilisent les mondes virtuels. Comment tu expliques ? Pour les écoles, je vois très bien l'application et ce n'est pas utilisé. Comment tu expliques ce genre de choses ? Alors, aujourd'hui, notre plus gros marché, c'est l'Allemagne. Ouais. Parce qu'ils sont hyper à cheval, déjà, eux, sur les logiques de sécurisation des données. Ouais. Tu vois, par exemple, on travaille avec Bosch, avec Siemens. Ils nous ont audité pendant 6 mois pour s'assurer qu'on ne stockait rien, absolument aucune information sur leurs employés. Ce qui est le cas et du coup maintenant ils déploient dans plein de leurs entités. Normal. On a par exemple la Deutsche Bahn. Eux, la Deutsche Bahn, ils se sont carrément montés une équipe WorkAdventure et ils ont aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 100 maps, enfin 100 mondes qui sont interconnectés. Donc ils sont en train de construire un super gros dispositif. Ils réfléchissent aussi à comment est-ce qu'on pourra déployer ça auprès de leurs clients. Donc on bascule sur du B2C. Et après on a travaillé avec énormément de facs en Allemagne. Et là, on travaille même sur un projet pour réunir toutes les universités de Basse-Saxonie, 250 000 personnes. Mais on est sur des institutions qui ont plutôt des écoles d'ingénieurs, ce genre de choses, des institutions qui ont un goût pour la tech. Université classique, comme on pourrait les trouver en France. C'est juste qu'ils disent, voilà, on veut aller dans les cours en distanciel. On veut renouveler une expérience qui soit un peu sympa. On veut que les gens aussi aient la possibilité de se croiser. On veut que ça tourne bien, on veut que vous ne stockiez pas les datas, on veut que ce soit en Europe, enfin, que ce soit RGPD. En fait, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché, on est quasiment les seuls là-dessus. Ah oui. C'est pour ça que tu interviens ce matin, parce que votre solution, elle est hyper originale et elle marche. Et voilà, quand je fais des démos, les gens nous disent « Ah mais en fait, ça marche, on a testé ça, mais ça ne marche pas. » Ouais, parce que tout le monde a entendu parler de Blocktopia et de tous ces trucs-là hein, qui vont se lancer l'année prochaine, début 2023 ou mi-2023, mais c'est des solutions dont tout le monde parle, mais elles ne marchent pas. Ça ne marche pas. Et votre solution, elle marche. Et des solutions qui marchent vraiment de manière pérenne et qui tiennent la charge, il n'y en a pas des masses. Horizon World ne marche pas. Horizon World ne tient pas la charge. Nous, en termes de charge aujourd'hui, on est plutôt serein. Tu vois, par exemple, sur la carte que je t'ai montrée, la carte de nos bureaux, on est capable de faire tenir simultanément 5000 personnes. Ça nous pose ouais, vous avez, il y a eu un événement France Méta chez vous, hein, il me semble. Hein. Ouais. Alors, on est partenaire de France Méta. Donc, c'est l'association que je t'encourage tous, d'ailleurs, pardon, à y adhérer. Ils promeuvent la culture du métaverse en France. Donc, ils essayent aussi énormément de le vulgariser. Donner des cas concrets pour que ça devienne mainstream et pour que ça ne fasse pas peur, en fait, parce que c'est des sujets qui font peur. Donc, ouais, on fait des événements avec eux. On fait même un événement physique avec eux d'ici 10 jours, donc avec une retransmission live dans un métaverse. Et il y a une année de ça, on a fait un événement en Allemagne. Il y avait 30 000 personnes dans 1 500 mondes interconnectés. Donc, ça commence à faire du monde. Ah oui. Et toute manière décentralisée, c'était même pas nos, il y avait nos serveurs, il y avait des serveurs d'autres boîtes, donc tout le monde était complètement c'est un vrai événement Web3. Ah, c'est super. Allez, on bascule aux questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je suis un peu désolé, sur mon interface LinkedIn, les questions ont été mélangées en termes de normalement je remonte le cours et je prends les premières questions posées, mais là sur mon interface j'ai des questions qui ont été posées il y a 20 minutes, il y a 2 minutes, donc on va pas les faire dans l'ordre aujourd'hui. Et certaines questions, Grégory y a déjà répondu, mais bon, on va taper dedans directement. J'ai une remarque de Julie Cocorico. Ouais, solution française, les gars. 100% arrêtez français. De nous parler des Américains ou des Japonais ou des Coréens, des Chinois avec Tirang. Solution française aujourd'hui.
Ben ouais. Alors, question, l'accompagnement de chacun est clé pour l'adoption au sein des organisations. Ben oui, c'est ce que tu disais en fait, hein. Ouais, il y a vraiment une phase où. Après, il y a quand même des grands comptes. Hein. Je cite VP par exemple, parce qu'on travaille avec Bouygues, on travaille avec eux depuis 2 ans, ils font des super projets. Ils se sont vraiment appropriés en fait. Ils se sont dit, voilà, nous on a des mondes virtuels, qu'est-ce qu'on en fait dedans? Qu'est-ce qu'on imagine? Comment est-ce qu'on va transmettre ça à nos équipes? Et en fait, du coup, ils nous sollicitent uniquement pour les aider à construire. Mais sur le concept de l'utilisation, le use case, c'est vraiment eux qui le prennent et c'est assez génial. Alors là, on a un truc rigolo. Tout à l'heure, tu nous montrais que Julie était en réunion et sur ta carte. Et en fait, si j'ai bien compris, elle est en réunion avec nous parce que c'est Julie Danet qui est dans le chat Ouais, de elle est avec nous LinkedIn. aussi. Ouais, Voilà, coucou non, Julie. Donc Julie, elle répond à certaines questions aussi dans le chat. C'est très bien. Voilà, 2 niveaux. Je continue. Ah, il y a Philippe qui nous parle du cliché du patron qui imprime ses mails. Alors, il faut savoir, Philippe, que moi, je l'ai connu personnellement. Hein, j'ai des DG qui m'appellent pour les aider dans leur transformation digitale. Je l'ai connu. Moi, j'ai connu le patron qui demandait à son assistante d'imprimer le mail, c'est le ça, ouais. patron qui écrivait sa réponse sur le papier qui avait, sur lequel le mail avait été imprimé, qui donnait la réponse écrite à l'assistante, qui retapait le mail et qui l'envoyait. J'ai connu ça, moi, hein, il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, c'est pas un cliché, je l'ai vécu. C'était pas le patron de la boîte, mais c'était bon, un directeur un peu pantouflard. Tu sais que là, en termes d'innovation, tu peux plus rien faire. C'est pas Je possible. crois pas, C'est que non. le gap, il est trop important. Et puis, en fait, tu rentres même dans une espèce c'était même plus dans une négociation, c'était une situation presque conflictuelle où il Oui, veut parce que c'est avoir. une remise en cause personnelle Ouais. de ce propre mode de vie. Tu peux rien faire là. Exactement. Donc, pour leur dire, bon, écoutez, non, c'est pas pour vous, c'est pas grave. Et tu sais que pour ces choses-là, moi, je recommande à plein de boîtes de passer par TikTok ou par Instagram parce que ces gens-là, ils ont des enfants. C'est vrai. Et comme ces gens-là, ils ont des enfants, leurs enfants, ils leur montrent ce qu'ils font dans leur journée. Et ça peut permettre de changer des trucs. Mais oui, effectivement, il y a des gens, tu peux rien faire. Alors, question de Philippe. Et puis maintenant, le cliché du tableau Excel sous-exploité. Oh, c'est pas un cliché, Philippe. C'est une réalité. Tu l'utilises, le solver, toi, Philippe? Le solver, c'est 30 ou 40% de la puissance d'Excel. Personne l'utilise. C'est pas un cliché, Philippe, hein. Alors, je continue. Alors, que fait l'avatar? Question de Olga. Que fait l'avatar quand vous êtes déconnecté? Ben, il est déconnecté comme toi. Donc, il apparaît plus sur la map ou il apparaît et il fait autre chose? Non, il apparaît plus. On est vraiment dans une logique. Si tu es là, tu es connecté. Si tu mets ton avatar, tu es disponible. Ou alors que tu mets dans une zone où il ne va pas être dérangé parce que tu as besoin de faire du focus work. Ok. Mais s'il y a ton avatar sur la map, c'est que tu peux te lancer, être disponible pour une interaction. Mais D'accord. s'il n'est pas connecté, il vit plus. Mais par contre, le monde continue de vivre. On est dans une logique de monde persistant. Question de Pascal. Où, il est où mon avatar? Putain, j'en ai pas créé. Non, mais là, je suis en dessous de tout, je suis déçu. Je vous déçois tous, je suis confus. Greg va me jeter des cailloux. Non, mais j'y suis allé régulièrement, hein, mais c'est vrai que j'ai pas créé d'avatar. Je suis sur. J'ai beaucoup utilisé la partie invité, où quand tu te crées, il y a un avatar temporaire qui se crée. Exactement, exactement. Ah bah, dis-le, comme ça tout le monde peut aller essayer. Ah ouais, vous pouvez complètement aller vous connecter sur le site workadventu.re. Il y a écrit, je crois que la première page même, il y a écrit try it. C'est Et ça. en 2 secondes, vous allez débarquer dans mes bureaux et vous allez pouvoir venir nous faire coucou. Julie, mets-nous le. Bon, je la tutoie en direct, hein. Ouais, Julie, Julie, tu mets-le. nous mets le lien dans le chat, comme ça tout le monde peut aller essayer. Donc moi j'ai essayé, je me suis marré, hein, j'ai montré à mes étudiants. Alors, Bruno met en évidence un point, hein, c'est que les bénéfices à gagner, c'est vraiment les outils d'interaction, en fait. C'est dans Exactement. l'interaction qu'on gagne quelque chose. Le C'est exact. rapport inter-individuel, en fait. Demain, un des use cases qu'on a le plus, on travaille beaucoup sur des hackathons. Donc en fait, tu réunis des jeunes et des moins jeunes pendant 48 heures, ils travaillent, enfin ils dorment quasiment pas. Tu les mets dans des salles virtuelles. Dans la salle virtuelle, on va leur mettre tous leurs outils, du Miro, ils vont pouvoir faire du live coding, etc. Tu as les mentors, les coachs qui passent dans les différentes salles. Et en fait, peu importe l'endroit où tu es, on en fait un très sympa là en octobre avec Amadeus. Il y a 2500 inscrits là. Donc ouais, ça Putain, c'est commence à être des trop. Vous trucs un faites peu du costauds. massif en fait, hein. Ouais, c'est massif, ouais. Du massif qu'on peut pas faire parce que moi je fais des trucs comme ça, je fais du Enigma, je fais du hackathon, je fais des trucs comme ça. On fait 3-4 jours d'affilée où les mômes arrivent avec leur sac de couchage, genre de trucs. Mais bon, l'un des enjeux, c'est nous on fait ça dans des gymnases par exemple. J'en ai pas fait depuis le confinement, j'en ai pas fait donc plus 3 ans. On faisait ça dans des gymnases parce que
physiquement, il faut un lieu où ils peuvent se reposer, s'isoler un peu, quitte à prendre une douche, ce genre de truc, tu vois. Donc, nous, on est vraiment limité. Et quand on fait ça dans un gymnase, on a 30, 40, 50 personnes. C'est compliqué d'avoir beaucoup, beaucoup plus en plus. En plus, il faut faire la sécurité, garçon, fille. Tu sais pas comment les gens se comportent. Enfin, vraiment, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit présent. Alors que là, vous faites 2500 personnes. Ça commence à tabasser très, très fort, hein. Ouais. On a même des problèmes du coup parce que ils nous disent ouais, mais on pense qu'on va avoir 500 inscrits de plus. Est-ce que c'est possible? Alors, dis-moi, techniquement, ça pose aucun problème. Mais tu remets 500 personnes de plus, donc c'est potentiellement 50 équipes de plus. Donc il faut de l'orga supplémentaire. Et il faut les animer. Et il faut les animer. Donc mais en fait, oui. Le premier, techniquement, tu m'en mets 10 000. Moi, ça change rien. C'est toi, humainement, comment est-ce que tu vas gérer tous les avatars virtuels? Alors, question de Christian. Donc Christian, il a un goût pour la tech. Hein. Il connaît très bien les NFT et puis il publie d'ailleurs. Suivez-le sur Twitter, il publie beaucoup sur les cryptos. Christian a une question, Christian Marquet. Vos métavers sont-ils une limite de participants? On commence à queener quand tu as 5000 personnes dans une map. Ouais. Dans une map, mais tu peux imbriquer les maps en fait. Tu peux faire des liens avec plusieurs maps. Donc si tu fais un monde avec 10 maps, tu peux avoir en max, tu auras 50 000 personnes. Et comment se passe le mouvement d'une map à l'autre? Si tu as déjà 5000 personnes et que dans une map, les gens veulent passer, tu vas avoir un ralentissement ou… Non. En fait, tu changes. C'est comme ton navigateur web. Attends, justement, je vais te le montrer comme ça va être hyper facile. Ouais. Vous me voyez tourner la tête parce que j'ai deux caméras. Hein, c'est pour ça. Donc, je passe… voilà. Non, parce que les gens vont se demander pourquoi je tourne tout le temps. Donc, j'ai deux caméras et j'ai l'écran de contrôle. C'est pour ça. Ouais. Alors, montre-nous. Ok. Donc, tu vois là, par exemple, hop, là, je vais sortir du bureau. Hop, je vais prendre la porte. Donc là, je vais me téléporter dans un autre monde. Ok. Tu vois, tu as un petit temps de chargement, le temps de charger la page, le monde. Okay. Et là, je vais atterrir dans un univers complètement différent. Hop là. Tac. Et là, en fait, tu vois, je sortis des bureaux et puis je me balade. Je me balade ailleurs. Et là, pareil, tu peux avoir 5000 personnes ici sans problème. Tu sais à quoi ça… Il y a certains éléments, là, le passage où tu étais, ça me fait penser à comment on concevait certains jeux il y a très longtemps où on disait on sera capable de reproduire des éléments de nature, on sera presque capable avec l'expérience que les gens vivront de presque ressentir en fait la nature. Et on va de plus en plus dans cette direction-là avec une dimension super expérientielle en fait. Exactement. Donc tu vois, et puis tu vois, là, sur tes animés… Là, on va aller embarquer, je crois que c'est un jeu vidéo. Et réaliser tout le monde, hein. Ce n'est pas un truc qui est téléchargé sur mon ordi. Hein. Là, on est sur du vrai live en ligne. Hein. Là, c'est du live streamé Ouais, c'est du live streamé. Et on stream, donc en plus, moi, la qualité que vous voyez, elle est un peu réduite parce que mon image est compressée. Donc, allez essayer. Christian, il est alpha testeur de Sandbox. Comment on pourrait différencier les deux parce qu'il y a pas mal de types de métaverses différents. Comment on pourrait différencier les deux entre Sandbox, et je m'entends très bien avec Sébastien Borger. Oui, vous êtes deux boîtes en partenariat, vous travaillez ensemble, bien sûr. Ouais. On réfléchit comment même on va pouvoir travailler ensemble. Et puis, il y a le problème de l'interopérabilité. Hein, ce que tu construis dans un des mondes, est-ce que tu peux utiliser dans l'autre? Exactement. Donc, nous, là-dessus, déjà, vu que le code est donné, donc, on n'a rien à cacher, donc il sait déjà. Et en plus, on a des API qui te permettent d'aller visiter dans le monde, d'aller créer des trucs. Sandbox, c'est très, très gaming. On est très dans une expérience beaucoup de jeux. Oui, tout à fait. Nous, on n'a pas du tout pris ce tournant du jeu. On est vraiment, on crée de l'interaction, numéro un, de la spontanéité. Et après, on va bâtir une expérience autour, une conférence, un hackathon, un lancement de produit. Je ne sais pas, mais on ne fait pas du tout de jeu. Ouais, il y a la dimension gaming sur avec tout le parcours, par exemple, ou ce genre de choses. Ouais, c'est gaming et art. Et vraiment, voilà. C'est très différent. Alors, il y a une question de Bruno. Quel est l'intérêt de travailler en monde virtuel au lieu du monde distanciel? Alors, moi, j'aurais une réponse, mais je voudrais entendre la tienne. Pour moi, c'est exactement la même. L'intérêt du virtuel, c'est que tu n'as plus besoin de la distance. En fait, tu ne la sens plus. Par exemple, moi, j'habite dans le sud de la France. Ma team, elle est à Paris, elle est au Portugal, il y en a aussi en Pologne. Physiquement, on a l'impression d'être tout le temps ensemble. On a eu, pour l'anecdote, on a eu une fois un plantage OVH. Donc, du coup, ça a tué nos serveurs sont tombés. Et je me suis retrouvé tout seul derrière mon bureau. J'avais plus mon écran avec ma team, avec les équipes Work Adventure qui étaient là. Et là, je me suis senti tout seul d'un coup, loin, alors que je n'ai jamais eu cette sensation, malgré la distance. Je comprends. Il y a une autre entreprise, je ne sais pas si vous connaissez Tap Nation, qui est une grosse boîte dans le mobile, en fait, qui fait des jeux et qui booste des jeux de tout petits studios. L'équipe est dans toute l'Europe, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on est dans une vraiment… On parlait tout à l'heure de Future of Work. On est dans une vraie
métamorphose du travail. Alors moi, ma réponse est un peu différente, et on a des points de vue différents là-dessus. Pour moi, le distanciel, c'est une prolongation du réel, en fait. C'est que on a le monde du travail en réel, et quand on n'est pas ensemble, il y a des choses qu'on peut pas faire. Avant, on pouvait juste pas les faire. Et aujourd'hui, on a une option pour les faire quand même, et on a un prolongement, une prolongation de notre monde physique. Regardez ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, le live qu'on est en train de faire. Il y a 5 ans, c'était pas possible, ça. Il y a 2 ans même, c'était pas possible. Et moi, je fais des lives avec vous depuis plus de 3 ans. Regardez ce qu'on a inventé quand on a commencé à le faire sur Twitch. J'étais déjà avec nous quand on a fait des premiers lives sur Twitch. Hein, je me souviens très bien, on discutait déjà. Et ça, c'était pas possible il y a 5 ans. On est sur un prolongement. Et j'ai l'impression de connaître certains d'entre vous, et certains d'entre vous sont devenus des amis. On a un prolongement du monde physique. Pour moi, la révolution, elle est là dans le travail. C'est l'avantage. Enfin, c'est ce qui a apporté, malgré elle, la crise du Covid. C'est qu'en fait, ça nous a appris à travailler avec des outils virtuels, à se voir en caméra, à échanger. Et on gagne tellement de temps dans les échanges. Avant, tu étais sur un process, tu devais rencontrer quelqu'un. C'était un meeting hyper formel. Aujourd'hui, tu fais une visio en 30 secondes, tu le rencontres. Et puis, tu continues après ton expérience. Et ça, c'est top. Question de Christian, tu y as répondu tout à l'heure, mais on va le répéter quand même. Vous êtes sur quelle blockchain? Alors, aujourd'hui, on intègre tout ce qui est Ethereum. Bah oui, avec les smart contracts, hein, c'est ce qui est le plus simple. Voilà, en fait, c'est là où il y a la masse. Nous, personnellement, on adore. Moi, j'adore Ethereum. Ça fait depuis un moment. J'avais acheté des Ether quand ils étaient au tout début, donc je suis très content. Ah, là, tu es content, tu m'étonnes. Ouais, on est un peu moins depuis quelques semaines, mais tu seras de nouveau content dans quelques mois. La philosophie du projet, elle est top. On parlera des smart contracts peut-être après, parce que les gens en entendent parler, mais ils ne savent pas ce que c'est. On intègre aussi Avalanche, Phantom. Là, on est en train de travailler sur Solana. On a du coup aussi… les sols ont baissé aussi. Binance. Donc, on a tous ces trucs-là. Puis après, tous les Layer 2 qui tournent autour d'Ethereum, donc Polygon, etc., bien évidemment. Mon avatar, il a été minté sur Polygon. Et là, on va faire une collection de NFT. Alors, minté, ça veut dire que le NFT est lancé, il est commercialisé sur une plateforme. Il y a quelques plateformes. Donc, vous n'êtes pas sur OpenSea, vous, en fait? En fait, tu peux récupérer tes comptes. Après, si on les envoie sur OpenSea. Okay. C'est un navigateur de smart contract. Donc, tu crées ton avatar qui est une image ou une animation. Tu le mint, c'est-à-dire que tu le commercialises sur une plateforme. L'une des plus grosses, c'est OpenSea, mais il y en a plusieurs. Tu le commercialises, ça s'appelle minté, et les gens achètent cet objet numérique et ensuite ils le payent avec une crypto. Alors attention, vous pouvez aussi le payer sur certaines plateformes avec un stablecoin, c'est l'équivalent de votre monnaie en fait. C'est un équivalent entre une monnaie standard, comme les monnaies fiat, celles qu'on utilise, et les monnaies numériques. On a plusieurs options possibles. Vous, on peut payer, si vous êtes sur 8 blockchains, on peut payer comme on veut en fait, hein. Exactement. Et ensuite, vous disposez de cet avatar que vous pouvez utiliser sur les plateformes qui sont compatibles avec cet avatar. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et toute cette opération, c'est un smart contract, c'est un contrat qui sera inscrit dans la blockchain définitivement, qui sera crypté dans la blockchain et qui sera inscrit, qui peut être lisible en clair si vous le souhaitez. On peut voir qui a acheté, à quel moment et pour quelle somme. Mais ça peut aussi être crypté. C'est-à-dire que c'est une opération. On sait qu'une opération a été conduite. Elle est en ligne. Mais on ne sait pas qui est derrière cette opération. Et vous-même, vous pouvez rendre publique cette opération ou pas. Voilà, j'ai essayé de résumer. Est-ce que c'est… C'est exactement ça. Et du coup, au mois d'octobre, parce qu'on a quand même pas mal de clients qui veulent aussi des avatars, donc on lance une collection d'avatars qui vont te permettre d'évoluer dans tous les mondes qu'on a fait. Donc, ce sera vraiment ton petit personnage qui va se balader. Qui sera sur Ethereum. Est-ce que chacun peut construire son propre avatar? Là, aujourd'hui, on a un petit outil qui te permet de le faire. Alors, on a une base d'assets, une base de différentes layers pour le chapeau, pour le pantalon, etc. Donc, tu peux en générer un, mais ce n'est pas un NFT. C'est vraiment comme dans un jeu vidéo où tu t'en fais un. Enfin, comme dans Sandbox ou comme dans Decentraland, quand tu arrives sur la première page, tu peux mettre « je mets tout rouge, machin ». Mais tu peux également, on a travaillé avec des collections de plateformes de DAO qui, eux, ont fait des collections de NFT, qui se sont créés leurs propres avatars. Et en fait, ils utilisent leurs propres avatars directement dans le monde. Ah, c'est super. Question de Martine. Où sont positionnés les serveurs en France, en Europe? Ils sont où? Alors, on a deux types de serveurs. Le serveur qui fait tourner le jeu, ça, c'est chez Amazon. Alors, juste une petite parenthèse. Dans le monde des métaverses, très souvent, un métaverse, on utilise le terme « jeu » parce qu'il y a énormément de technologies qui sont utilisées aujourd'hui dans les métaverses qui viennent du monde du jeu
Par exemple, il y a eu un progrès considérable avec World of Warcraft, en fait. C'est les moteurs graphiques qui ont été créés et aussi par... comment s'appelle la boîte de Fortnite, bordel C'est Tencent, non Attends, comment C'est pas Tencent Tencent Epic Games, le créateur d'Epic Games, il a créé un environnement graphique complet qui est aujourd'hui utilisé dans certains... pour certains mondes virtuels, par exemple. Voilà, ça, c'est un des éléments. Et donc, vos serveurs, tu me dis que vous avez deux types de serveurs ? On a deux types de serveurs. Donc, on a pour le jeu, pour ce qui va être toute la visio, etc. Donc, tout ça, c'est stocké chez AWS, donc Amazon en Irlande. Et après, tout ce qui va être… toi, par exemple, quand tu te crées un monde et tu dis, je vais donner mes invitations parce que c'est un monde fermé, donc une base de données, c'est chez OVH en France. OK. Et ça nous pose problème d'ailleurs parce que OVH, ils ne sont pas aussi bons qu'Amazon, malheureusement. OVH, en fait, il y a un ralentissement depuis l'incendie. Hein. Ouais, c'est compliqué. On voit, il y a une différence. Hein. Ils n'ont jamais récupéré vraiment. Il y a eu un incendie sur leur gros serveur, c'était à Lille, hein, je crois. Hein. Ouais. Ils ont eu un gros incendie sur une série de serveurs, ils ne s'en sont pas vraiment remis pour l'instant. Françoise dit que ton histoire ressemble à celle des débuts de Slack. Bah, moi, je ne connais pas l'histoire de Slack, hein, mais peut-être que tu connais. Françoise, elle connaît très bien ce genre de sujet. Est-ce que tu as un avis sur Opera par rapport à Brave ? Pas du tout. Alors, Opera est beaucoup utilisé dans le monde du gaming parce que les écrans d'attente sont des animations au lieu d'être des images. J'adore Brave. Ouais, j'adore Brave. Ouais. J'adore Brave. Même le moteur, j'utilise Brave. Enfin, moi, j'adore Brave. Non, Opera est beaucoup utilisé dans le monde du gaming parce qu'en fait, il y a plein d'écrans d'interface, les écrans d'attente, par exemple, qui sont des animations en fait. Des animations dans lesquelles on peut mettre des liens cliquables. Donc, Opera est très utilisé dans le monde du gaming, monde dans lequel j'ai été pendant longtemps. Je suis très à terre, mais je crois que je commence à comprendre. Bravo Dominique ! Je continue à voir les questions qui tombent. J'ai passé une question tout à l'heure sur James Potland. Vas-y. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Vas-y. Eh ben ouais, James Potland, on les connaît bien. C'est un très bon copain, Alain. Et effectivement, ils utilisent notre technologie pour leur solution. On travaille main dans la main. Ah, donc c'est ta technologie en fait. Ok. Ouais, on travaille ensemble. Et eux, ils vont créer. Eux, ils vont du coup. Enfin, ils ont pris notre base et là-dessus, ils construisent ils ont implémenté leurs outils James Pot pour créer une expérience de continuité avec leurs clients actuels. Mais le moteur, ça, c'est nous. On leur fournit. Alors, question de Capucine. Existe-t-il un environnement Work Adventure dans une communauté ouverte permanente ou est-ce uniquement possible d'y participer dans le cadre d'un événement de type hackathon ? Ah non, tu peux te créer ton monde, Capucine. Tu peux venir dans nos bureaux, c'est complètement ouvert. On a des gens du monde entier qui viennent toute la journée nous faire coucou. Donc, c'est toi qui choisis, c'est toi qui définis ce que tu veux faire de ton monde, si tu veux le fermer, l'ouvrir, le réserver à certains. C'est toi qui as la main dessus. Question de Muriel. Ah d'accord, c'est chacun chez soi qui travaille dans un monde virtuel et pour prendre contact directement. Bah Muriel, en fait, c'est oui ou non. C'est que ça peut être chacun chez soi qui travaille dans le monde virtuel, mais on peut être aussi dans le même espace physique et travailler en ligne. Par exemple, pour partager un document Word. Exactement. Ou un document Google Doc plutôt, sur lequel on va écrire ensemble. Ouais. Bien sûr. Enfin, un propriétaire, bien sûr. Tac, je continue à descendre. Peut-on modéliser les avatars personnels en 3D en partant du réel sur la base d'une appli en webcam, par exemple, ce genre de choses ? Aujourd'hui, on ne fait pas. Je l'ai vu en 2D, moi, mais je ne l'ai pas vu en 3D, ça. Nous, on est plutôt en 2D, donc il faudrait le modéliser en 2D. Il y a des super artistes qui font de la 2D. Si, ça, c'est un point hyper intéressant. C'est au début, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait de la 2D ? Est-ce qu'on fait de la 2D5 ? Est-ce qu'on fait du 3D ? Enfin, de l'isométrique. On a pris le parti de la 2D parce que c'est simple, c'est hyper fluide, ça marche bien et parce que ça nous plaisait. Faut imaginer que notre génération, elle voit la 2D, l'isométrique et la 3D comme une évolution. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui, en fait, c'est un choix. Ils disent, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais faire de la 3D, aujourd'hui, je vais faire de la 2D. En fait, il n'y a pas du tout cette logique d'évolution. C'est plutôt un choix complètement en fonction de l'expérience qu'ils veulent avoir. Oui, c'est un choix artistique aussi. C'est un choix complètement artistique. Donc, question de Itsuko. Je vous encourage tous à suivre Itsuko. Elle publie des posts qui sont passionnants et elle met en relation des gens qui produisent des papiers ou des articles sur des ressources qui sont incroyables, genre sur de la production de livres ou sur des conférences dont j'avais jamais entendu parler ou sur des expositions. Donc, je vous encourage tous à suivre Itsuko. Question du Itsuko. Alors, je connais pas ça. Vous avez autant d'apps intégrées que Gather ? Gather. Alors moi, je connais pas Gather.
Gazer, ils font un peu près j'avoue comme mon nous. incompétence. C'est une boîte américaine. Ils sont philosophiquement à l'opposé de ce qu'on fait, puisque tout est sur leur serveur, tout est fermé. On marche beaucoup mieux qu'eux en termes de technologie. On a beaucoup plus d'intégration parce que nous, on va vraiment mettre ce que tu veux faire dans le jeu. Eux, ils vont ouvrir des différents onglets dans le navigateur. Ah, il t'ouvre des sessions en fait à chaque fois. Ouais. Ok. Donc, tu vois, tu dis, par exemple, je vais ouvrir un document, ça va ouvrir un onglet dans le navigateur. Nous, on veut que le document, il reste embarqué dans le jeu. Donc, du coup, ça nécessite de penser différemment. On a proposé aussi, nous, des API pour permettre de créer de l'intelligence dans les maps, ce qu'ils n'ont pas, et puis on a tout ouvert. Donc, on est collègues. On est tous, de toute façon, moi, je n'ai pas de concurrents, on n'a que des collègues. Voyons. Alors, je continue à descendre les questions. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un peu compliqué là parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Je ne sais pas ce que LinkedIn m'a fait aujourd'hui. Alors, voilà, question de Renaud. Ce serait bien que ce ne soit pas une boîte américaine qui récupère le travail R&D des Froggies. Alors, j'explique un petit peu le commentaire qu'il y a derrière le commentaire de Renaud. Ce qu'on a en France, c'est qu'on a un gros problème. On crée des entreprises à très forte valeur ajoutée, ça on sait très bien faire, créer des boîtes. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la France, mais en fait, en France, créer des entreprises, on sait très bien faire. Là où on est en galère, c'est pour les faire croître au-delà de 50, 60, 100 salariés. Et là, lever les fonds pour le deuxième ou troisième tour, là, c'est hyper compliqué. On a du Exactement. mal à faire croître les entreprises. Tu en penses quoi de ça? Même maintenant, c'est compliqué. On a fait en 2021, on a fait un tour justement pour aller chercher des investisseurs. Donc en 2021, j'ai commencé à parler de métaverse parce que nous, notre logique, c'était vraiment de faire ces mondes virtuels et on parlait de métaverse avant que Zuckerberg en parle. Ils nous ont dit, les gars, vous êtes rigolos avec vos petits bonhommes et vous êtes complètement dingues, quoi. Et en fait, pas forcément, tu vois. Donc aujourd'hui, C'est je ouf trouve ça. qu'il y a un gap de compréhension quand tu vois qu'Andreessen, il lève un fonds de 4 milliards et demi pour aller que sur les investissements crypto Web3. Qu'en France, tu dois te justifier sur ce que tu fais quand tu vas avoir des investisseurs. Tu dis, on en est loin, malheureusement. Moi, les gars, ils me disent, j'y crois pas. C'est pas du tout notre volonté de. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller aux US parce que je pense que philosophiquement, on est à des années-lumière sur comment est-ce qu'on peut travailler, sur comment on voit les données, sur comment on voit les trucs. Malheureusement, à un moment, comme tu le dis, hein, il va falloir trouver des sous si on veut accélérer et ce qui va financer quoi. Et le problème en France, alors moi, un commentaire que j'ai beaucoup entendu sur les NFT, hein, de la part d'investisseurs hein, qui ont de l'argent et qui cherchent à investir, c'est, il y a des gens qui disent, j'y crois pas. Et Bien c'est sûr. compliqué parce que c'est un argument de croyance, en fait. C'est pas un argument qui est basé sur les faits. L'argument, il peut être basé sur les faits en disant, bah, moi, je pense que mon retour sur investissement, il sera pas assez élevé. Ou alors, je pense que ça va prendre trop de temps. Ou je pense que le risque est trop élevé. Ça, c'est des arguments sur lesquels on peut discuter et on peut ne pas arriver à faire un deal parce qu'on Ouais, discute. Mais par contre, quand quelqu'un dit, j'y crois pas, c'est difficile de construire une vraie conversation, en fait. mais. Tu sais, c'est comme tout aujourd'hui, les NFT, ça a fait un énorme buzz. Et les NFT, c'était quoi? C'était des images que tu mettais en tant que photo de profil, des PFP. Là, nous, on arrive avec un truc qui est quand même différent, puisque tu as vraiment un avatar qui va te permettre de te balader. Après, il y a plein de trucs qui vont derrière. Donc, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Mais tu peux très bien, demain, tu arrives dans une boîte. On va te donner un NFT. En fait, ta NFT, ça va être ta clé d'identification sur tout le parcours professionnel que tu vas avoir dans une boîte. Et ton futur employeur, il va dire, bah, attends, fais voir, je vais regarder dans la blockchain tout ce que tu as fait, est-ce que tu as bien fait tel projet, etc. Tu n'auras plus besoin de LinkedIn potentiellement. Donc, en fait, il y a des usages qui vont arriver. Ça peut être ta carte étudiant aussi, qui va te donner accès à un campus, à des salles. Tel jour, telle heure, tu as le droit d'accéder. Le lendemain, tu n'as plus le droit. Tu contrôles avec ça. Donc, il va y avoir de l'utilité Ça va avec être une ces. vraie question, hein, parce que là, le point que tu as levé sur LinkedIn, il est réel. C'est que les métaverses poussées à ce qu'ils devraient être, c'est la fin des réseaux sociaux, hein. Pourquoi faire du 2D alors qu'on peut faire du vrai 3D expérientiel, hein? On va au-delà de l'écran, hein. Exactement. C'est la fin des réseaux sociaux, hein. Ça, c'est une vraie question, hein. Continue à descendre. Donc, James Spot, c'est la question à laquelle on a. C'est la question qu'on a. Dans les exemples d'implémentation donnée, il a été cité des audiences de type étudiants en université, événements de recrutement ou équipes de tech, IS, IT, DevOps dans les grands groupes. Êtes-vous arrivé à déployer d'autres types d'équipes et à faire adhérer les personnes, par exemple des forces de vente, ce genre de choses? Alors, pas encore, on n'a pas encore eu de sujet là-dessus, mais par exemple, on travaille avec Bouygues Construction, Bouygues Bâtiment International, où eux, on est dans le dur, on est dans le BTP. Et là, on est en train de leur monter un monde virtuel où toutes les filiales mondiales vont être connectées. Donc, il y a une quinzaine de pays. Donc, on est vraiment sur de l'organisationnel pur de boîte, où les filiales vont se parler entre elles.
Ils ont prévu en plus des trucs hyper sympas, c'est que l'animation du monde virtuel va être à la main de chacune des filiales pendant un mois. Donc en fait, tu vois, tu vas créer de la cohésion et tu vas rapprocher les équipes. Et là, j'ai un commentaire qui est rigolo, c'est Françoise qui dit, et si on faisait une map chez TeamSite pour compléter le Discord? Mais c'est sûr, c'est la C'est vrai next qu'on step. pourrait penser à un truc un peu marrant. C'est vrai qu'on pourrait faire un truc un peu marrant. Non, mais c'est vrai, t'as raison. On pourrait, c'est une bonne idée. On pourrait faire un truc un peu marrant. On va discuter. Question de Christian, qui est une vraie question, qui est un truc qui revient régulièrement, dont j'avais l'intention de parler, donc là c'est super. C'est la question des activités. Avoir une map, c'est super pour travailler, mais s'il n'y a pas d'activité, les gens ne reviennent pas. Et surtout, les activités, ça fait partie du type de processus que tu mets en œuvre pour que les gens s'approprient l'environnement dans lequel ils sont. Donc il faut qu'il y ait des activités. Ce que fait ce sandbox avec les 11, le parcours des 11 jeux là, dans la bêta, je ne sais pas s'ils le font encore hein, dans la nouvelle version qu'ils viennent de relancer là. Mais il y avait un parcours, effectivement, c'est comme dans un jeu en fait, le didacticiel ou quand tu commences Elden Ring par exemple, hein, où là il n'y en a pas. Ouais. Où tu te fais déboîter tout de suite. Mais dans la plupart des jeux, il y a. Et donc voilà les activités. Parlons des activités. Alors comment ça se passe? Ben ça, effectivement, c'est le sujet clé. C'est comment est-ce que tu crées. Alors, au-delà de l'activité, c'est vraiment de l'expérience. Ouais, c'est ça. C'est comment est-ce que tu vas créer de l'expérience et quel type d'expérience tu vas mettre en avant. Nous, ce qu'on met en avant, et le cœur de notre concept, c'est l'interaction, c'est la spontanéité, c'est le lien entre les gens, ils se voient. Et après, là-dessus, qu'est-ce que tu vas construire? Des bureaux virtuels. Alors, pas du jeu, mais on commence à faire réfléchir sur des sujets de boutiques virtuelles aussi. C'est en train d'arriver, où tu as aussi des entrepôts, où tu peux voir. Bouygues, on réfléchit à notamment mettre des webcams sur les chantiers. Comme ça, quand tu vas aller, tu vas pouvoir voir l'avancement en temps réel du truc. Donc, ouais, une fois que tu as la base, en fait, c'est ta base. Ta base, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu vas mettre ensuite après? Mais c'est crucial et c'est une super question sur l'animation. Ouais. Alors, il y a un élément qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ton dispositif s'adapte au mode de management dans l'entreprise. C'est-à-dire que si tu veux faire de l'hyper contrôlé, hyper hiérarchique, tu peux le faire. Mais bon, moi, je fais partie de ceux qui quittent ces entreprises-là. Mais tu peux aussi faire de l'hyper autonome et de l'hyper libre. En fait, la question, c'est est-ce qu'on contrôle les activités à travers les données? Ou est-ce qu'on fait confiance aux salariés à travers les interactions et les activités qui vont conduire? Donc en fait, ça ne contraint pas sur le mode de management paradoxalement. Enfin, on pourrait penser que ça contraint sur le mode de management, mais en fait, non, ça s'adapte complètement au mode de management dans l'organisation. Ouais, ça fait partie des écueils qu'on a eus. Pour l'adoption, je suppose, par les salariés. Ouais, les salariés, en fait, c'est un moyen de nous fliquer C'est quand ça. on est au bureau. C'est une vraie question, hein? C'est une vraie question. Nous, on ne l'a pas du tout conçu dans cette logique. Oui, mais l'entreprise qui construit son environnement comme ça peut l'utiliser comme ça. L'entreprise peut l'utiliser comme ça. Après, tu sais, c'est comme avec n'importe quelle technologie où il y a forcément y a du bien et il y a des gens qui vont mal l'utiliser. Nous, ce n'est pas l'idée. Et pour preuve, on n'enregistre aucun log. Donc, ça veut dire que si toi, tu te connectes sur un monde, on sait que tu es connecté. Et puis, si tu déconnectes, tu n'es plus là. Mais je ne sais pas qui est arrivé, combien de temps il est resté, avec qui il est parlé. Ce que Facebook veut faire avec ces mondes virtuels, parce que Facebook, ils vont consommer toute la data que tu vas générer. Donc, combien de temps tu es resté, avec qui tu as parlé, ce que tu as fait, ton avatar, quel type d'émotion tu as eu. Et après, on va te proposer de la pub, on va te proposer des trucs. Alors, Nous, ils font on les est. personas avec les logs. Voilà. Et nous, on ne veut pas du tout ça. Bon, on n'est pas aussi puissant que Facebook, mais après, ça va dépendre du consommateur, qu'est-ce qu'il veut. Bien sûr. Mais bien sûr, mais oui, évidemment. Et ok. Là, il y a Bruno qui dit merci Julie Danet pour les interactions. Julie, tu m'envoies une invite? Comme ça, non, mais on pourra discuter tranquillement ensuite. Mélissa qui dit que le son est magnifique. Mais c'est ta voix profonde, ça, Grégory, c'est pour ça. Il y a Francky qui te fait salut Greg. Ouais, il fait de la méditation, Francky, et on a réfléchi justement à un Ouais, exemple c'est vrai. d'intégrer ça dans les mondes virtuels. C'est tout à fait Super gars. exact. Et je vois passer régulièrement tes posts, Francky. Il y a Renaud qui dit c'est une excellente idée pour les enfants, les serveurs en France. Je suis désolé, hein, mais les questions sont mélangées à chaque fois que je mets à jour. Donc, je sais pas ce qui se passe avec LinkedIn aujourd'hui. Question de Muriel, remarque de Muriel, punaise, c'est balèze. Merci Muriel. Mélissa nous pose la question, quelle est la tranche d'âge approximative des utilisateurs? Si votre plateforme s'adresse à des utilisateurs plus âgés, pensez-vous que la technologie sera plus difficile à adopter? T'en penses quoi de ça? Oh. On a le contre-exemple de WeChat en Chine. Hein.
Ouais. Alors aujourd'hui, c'est quand même particulièrement simple. Un des premiers événements qu'on a fait aussi, c'était avec les URSAF, le Lab Innovation Digitale. Donc on a fait un événement virtuel et on a eu, ils nous ont dit, ouais, mais est-ce que ça ne va pas être trop compliqué, justement, cette navigation dans le monde virtuel? Ils ont pris quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années, qui n'a pas d'ordinateur portable, qui n'a pas de webcam, qui n'avait pas de micro sur son PC. Ils l'ont mise devant l'ordinateur. Ils ont dit, tiens, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Elle a commencé à se déplacer. On lui a dit, donc tu te déplaces avec les flèches quand même. Elle s'approchait de quelqu'un, elle a dit, ah, mais c'est hyper facile votre truc. C'est pas compliqué. On a fait le truc le plus simple possible. Maintenant. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'âge, c'était une crainte qu'on avait il y a une dizaine d'années. On en entend encore beaucoup parler, mais en fait, on a un contre-exemple maintenant, c'est l'adoption de WeChat en Chine. La Chine, c'est un très grand pays. On a des gens qui ont 80, 85 ans, 90 ans, à qui les enfants ont acheté un téléphone portable pour communiquer avec WeChat, avec les petits-enfants, et l'adoption s'est faite à la vitesse de la lumière. Donc, en fait, l'adoption se fait aussi parce qu'on voit les gens faire. Et les personnes âgées avaient moins de gens dans leur entourage qui faisaient. Mais maintenant, il y a 95% de la population qui est équipée d'un smartphone. Donc maintenant, même les personnes âgées voient faire et elles apprennent à faire. Donc la diffusion de la technologie, c'était une des craintes qu'on avait il y a 10 ou 15 ans sur certaines tranches de la population. On se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup moins complexe que ce qu'on pensait. Et c'est marrant ce que tu dis, c'est hyper intéressant. C'est que pour en revenir sur le métaverse, tout le monde est en train de prendre. On se dit tous, c'est un marché, c'est à plusieurs centaines de trilliards de dollars. Sauf que 80% du trafic web, ça passe sur du mobile. Il y a 7 milliards de mobiles. Et aujourd'hui, les métaverses qui fonctionnent sur mobile, il n'y en a pas beaucoup. Ah non. À un moment, il va falloir que tout le monde se pose la question de se dire, il va falloir qu'on switch aussi sur mobile, sur tablette. Parce que sinon, ce n'est pas possible de se dire, Bien sûr. pour être dans le métaverse, il faut que j'achète un PC de gamer à 5 000 euros, que C'est j'achète ça. un casque de réalité virtuelle à 600 dollars. Avec une carte graphique, une 3080 Ti, c'est impossible de Voilà. penser ce truc-là. Exactement, c'est pas Bien sûr. possible. Surtout si on veut que ce soit accessible dans le monde entier. On va prendre une dernière question parce qu'il est 10h06. On a dit qu'on bouclait en 1 heure. Je n'arrive jamais à boucler en 1 heure. Question de Muriel qui est une très bonne illustration. Prenons l'exemple, un exemple concret. Prenons l'exemple d'un cabinet comptable de 20 salariés qui souhaite mettre ça en place concrètement. Quel serait son intérêt à lui, à ce cabinet, dans son interaction avec ses clients, d'avoir un espace Work Adventure? Est-ce que déjà ce cabinet comptable fait venir des gens chez lui, des clients chez lui? Parce que c'est des super, super use cases qu'on a avec des startups. Alors j'ai oublié le nom. Mais la journée, c'est des bureaux virtuels. En fait, le soir, ils font des événements, ils font venir des clients, des partenaires, des prospects aussi. Ça devient une prolongation et de leur site internet et de leur bureau physique. Maintenant, les comptables, est-ce qu'ils travaillent à distance? Je ne sais pas. Là, en tout cas, on travaille sur un gros projet avec KPMG. Il y a quand même quelques comptables dedans. Ils réfléchissent à ces outils-là, et c'est parce qu'ils savent aussi qu'ils vont devoir déployer de nouveaux types d'offres Future of Work chez leurs clients. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est en train de faire. C'est pas du tout fermé et réservé à des startups ou à des grands groupes pour les équipes tech, etc. Donc, c'est pour tout le monde. Et la question, ça va être, c'est quoi la culture de ta boîte et comment est-ce que tu l'embarques dans un monde virtuel? Et moi, je vois une application directe avec l'expert comptable. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la plupart des experts comptables, ils nous ouvrent un espace de leur disque dur pour qu'on uploade les notes de frais, tous ces trucs-là. Moi, je vois directement ça dans Work Adventure, Ah où ouais, tu tu as une question sur ta note de frais, tu rencontres directement le gars et tu lui uploades le document en direct et c'est lui qui le classe directement. Il y a un gain de temps pour tout le monde. peux. Et non, moi, je vois d'abord l'exemple de Muriel, c'est un exemple qui est hyper concret, qui est une réalité parce qu'il y a un transfert d'un très gros volume de documents entre les clients, entre le prestataire de service et les clients. Et pour moi, je vois de la fluidité. On va arrêter là. 10h08. Merci Greg. Un plaisir. Ah non, mais c'était tellement bien. C'était tellement bien. J'avais réservé 1 heure. En fait, on va se refaire ça un autre jour hein, parce que c'était tellement bien. Merci beaucoup. J'espère que pour vous tous, c'est beaucoup plus clair que ça change l'utilisation des métavers dans notre réalité, en fait, dans le monde réel, en fait. Parce que c'est un truc beaucoup de gens ne saisissent pas encore, c'est que ça fait déjà partie de notre quotidien. Ça fait déjà partie de notre quotidien. Exactement, c'est déjà là et on peut être contre, mais en tout cas, ça va arriver pour tout le monde. Ouais, et ça va être massif, hein. Donc on a une solution française qui marche, qui est fiable, belle boîte en forte croissance. Tu recrutes encore, hein, je crois d'ailleurs, hein, en ce moment, hein. Là, on a trois arrivées ce mois-ci, mais on recrute encore un petit peu. Vous êtes situé où physiquement? Le siège est à Paris. Le siège est à Paris. Et vous n'aviez pas une antenne à Laval ou à Rennes? Non.
Il me semblait, putain, je sais pas pourquoi j'avais associé ça à Rennes. Paris. Et donc voilà, boîte en croissance. Vous publiez beaucoup sur LinkedIn. Donc suivez Greg sur LinkedIn. Comme ça, vous verrez l'actualité de la boîte. Vous allez voir, tous les 3 ou 4 jours, il lance un nouveau truc où il y a une solution différente qui est envoyée et tout. C'est super, c'est hyper passionnant. Boîte française en forte croissance sur un sujet qui est hyper passionnant. Merci Greg, c'était super de t'avoir avec nous aujourd'hui. Passe une excellente journée. À bientôt. Ciao. Bye bye. Alors attendez, bouffe, hop là, tac. Voilà. Donc c'était super. Moi, je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs, hein, vraiment, parce qu'en fait, c'est en vous faisant rencontrer des gens qui font que vraiment, tous ensemble, on peut mieux comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on parlait métaverse et Web3, et vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Et au cœur du truc, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a les usages. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est les usages, ok ? Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Demain, je vous donne tous mes trucs pour croître sur les réseaux sociaux. Demain, la session de demain, la session de vendredi, elle sera consacrée aux réseaux sociaux. Je vous donne tout, je vous explique tout, comment construire une audience, comment croître, les enjeux sur les publications, sur la relation à l'autre, voilà. Je vous explique tout et vous allez comprendre aussi pourquoi chez certains influenceurs, vous voyez certains types de publications. Donc, je vous explique tout demain. Demain, comment croître sur les réseaux sociaux, comment constituer une communauté, comment gérer la communauté, je vous explique tout demain. J'espère que vous passerez un bon moment. Et j'espère surtout qu'aujourd'hui, vous avez passé un super moment. En tout cas, moi, c'est le cas. J'ai passé un super moment. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain. La bise.